Eh bien bonsoir, bonsoir à tous mes chers amis youtubeurs. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Damien Salut tout le monde. sur Ark. Donc je pense que vous avez reconnu le jeu plus ou moins. Donc ici on va commencer tout à zéro. On est tout à zéro. Eh Pas ouais. bon. Donc on va s'installer. On n'a pas encore choisi le lieu où on est s'installer. On n'a pas encore trouvé l'idée. Bon, ça on va regarder après. Frigide devrait nous rejoindre dans le courant. Là pour le moment, il a pas envie de jouer. Il y aura aussi Sophénix, normalement. Donc on va commencer à récolter du bois, de la pierre. Et peut-être même créer peut-être un clan aussi. Ouais, bah, comme tu veux. Ouais, je vais déjà m'occuper du clan. Enfin, tu prends les premières ressources pour faire une hache. Ouais. J'ai commencé par ça. Hop, voilà. Bon, Viper, on va pas changer. Voilà. Voilà. Par contre, je n'ai pas encore vu de truc pour récolter des baies. Je sais pas si c'est normal. Comment ça? J'ai pas encore vu pour la récolte de baies. Pas sur ce serval en fait, elle est un peu plus longue la récolte. Ouais. Un caillou c'est 3 et c'est pas 1 comme les normaux. Hop, je vais t'inviter. Vas-y. Alors, tac. Ah merde, hop. J'oublie toujours qu'il y a le petit décompte là de 10 secondes. Ah, si au moins on se retrouvera si on s'éloigne. Voilà. Voilà. Le temps de se blesser en coupant un arbre. J'ai pas reçu un seul bois, quoi. C'est le problème. L'arbre il met longtemps à couper sur le serveur et. Ah voilà. Un bois. J'ai déjà eu du métal, c'est génial. Du métal déjà? Ouais, déjà. Sur un 2 de métal sur un caillou. D'accord. Donc, à savoir qu'on a tous les deux déjà un peu d'expérience dans le jeu. On a joué un petit moment. Par rapport à ceux qui démarrent comme ça. Mais problème sur l'autre serveur, les admins ne sont pas top top. Le problème, s'occupe pas de toi. Voilà. Ici, ils sont pas occupés de toi pendant que tu étais coincé. C'est ça. Ils t'ont donné la solution. Hop, voilà. Faut que je regarde déjà pour débloquer. Et ils ont rajouté un nouveau truc sur le jeu. Ouais. C'est totalement bidon, tu peux lancer ta. Comment ta torche? Je vois pas l'utilité. C'est trop moche, comment tu la jettes? il faut du touch. Ah là, c'est des trucs pour faire des fibres. La fibre qui sur le serveur faire échanger les dinos quoi. Oui. Qu'avec, je crois que c'est 500 ou 1000 fibres, vous pouvez changer un Carnot. C'est un peu con, je trouve. C'est pas du tout, comment on va dire ça, équitable. Pas n'importe quel niveau 1 en fait peut avoir un Carnot quoi. Bah, au moins, tu chasses plus vite, quoi. Et ça, il te suffit juste en fait de récolter pendant 15 minutes et le mec il te livre ton Carnot, ton Argentis ou n'importe quoi. Et c'est marrant, il y a tous mes dossiers. Comment? Tous les Ouais. dossiers que j'avais fait qui sont encore là. Ouais, il reste le dossier de craft. Au moins c'est bien, c'est comme tous tes points de carte. Ouais. Bah, c'est pratique, au moins j'ai pas besoin de les recréer. Hop, donc là j'ai la pioche. Tac. Et bien sûr, je l'ai pas calibré. Les touches ont changé aussi par rapport au serveur, j'ai l'impression. Comment ça? J'ai plus mes touches. Ouais, ils ont tout remis à zéro. Est-ce qu'ils ont refait un réglage du physique en fait pour gagner encore comment de l'optimisation? Voilà, ok. Moi, je pense que ça se voit quand même, tu vois, légèrement, mais bon. Ouais, je lag déjà moins. Bon, mieux que rien.
Donc oui, il y a un event en cours, donc on va voir ce message pendant un petit moment. Donc ici, c'est plutôt une vidéo que je mettrai ainsi au départ, mais ça va être souvent en live pour ceux que ça intéresse et les rediffusions sur la chaîne. Donc pour pas changer. Ouais, tu m'étonnes, le touch, on va en avoir. Par contre, on va pas s'installer dans cette zone-ci, ou je sais pas où on s'installera plus où. Peut-être un peu plus loin, non? Vers comment? Bah, je sais pas, après, vu qu'ici c'est un serveur où c'est multiplié par 3 le drop, à savoir si c'est vraiment nécessaire ou pas de s'installer à côté de des comment des grottes pour avoir la chitine, parce que du coup, maintenant qu'il y a les espèces de petits scarabées, t'en récoltes vraiment énormément. Ouais, aussi. Enfin, les scarabées, les araignées. Ouais. T'en récoltes Après, le seul. énormément, mais faut les trouver. Ben, dès que tu te connectes, tu verras t'en as plein autour de la base à chaque fois. Ah ouais? Ah oh bah ça va Ouais. alors. Ils sont souvent accompagnés d'îlots en fait. C'est pareil, les d'îlots maintenant ils sont par groupe de 5-6. Oui, donc. On sera bien accueillis quand on se connectera. Ouais. Toujours le toc d'appuyer sur échappe. Tac, je vais me faire une hache. Et une torche, hein, ça pourra servir. Mais la torche, tu la lances pas en fait vraiment comme tu auras envie de la lancer. Non, c'est plutôt qu'il la jette par terre, quoi. Ouais, ça part comme un flambeau en fait. Hop, plus la nuit va bientôt tomber, j'ai bien fait de la crafter. Est-ce qu'on part en expédition, trouver de quoi, où s'installer? Ouais, vas-y, je te suis. Tu me suis, on va traverser l'eau. Je regarde pas la map exactement. On aura le coup de cœur. De nuit, ça va être un peu ennuyant. J'aurais peut-être dû les crafter pour avoir une lance, pour se défendre au moins. Je vais vite faire ça, faire une lance. Je sais pas Pareil. si t'en as fait une. Au moins sur un point se défendre. Contre les vieux scarabées pourris là. Craft, il me manque quoi? Des flints et des fibres, ouais, il faut ramasser de la fibre. Tac. Narcoberry, Faber. Pareil, apparemment ils ont fait une mise à jour comme quoi la fibre sera plus facile à avoir. Je pense pas. Enfin, ça va ici, j'en récolte. Mais ce que je trouve quand même dommage, c'est comment? Ils auraient dû faire une plante exprès pour la fibre, Ouais. au lieu de faire tout séparé. Enfin tout mélanger quoi. C'est mélangé dans ce que je voulais dire. Surtout qu'en fait, t'as des palmiers et t'as des espèces d'herbes fleuries. Ils auraient dû faire des herbes fleuries plutôt pour tout ce qui est baie et laisser les palmiers pour la fibre. Oui. C'est plus logique, hein. Si jamais je vois que dans la vidéo on voit pas trop bien, je ferai la commande gamma. Si elle fonctionne sur ce serveur. Ouais, comment elle marche, t'inquiète pas. Elle marche? J'ai essayé. Ça va. Parce qu'au moins avec ça, bon, c'est mieux pour la vidéo. Ouais, on voit presque rien. Ben moi je vois parce que j'ai augmenté l'éclairage de mon clavier, enfin de mon écran. Bien sûr, j'ai pas la bonne touche. Et du coup, par rapport au point d'ability, on fait quoi alors au niveau des comment? Ben ici, Des vu. tâches. Des tâches, comment ça? La construction, l'autre qui fait les selles, je sais pas. Bah, limite, je sais que toi t'es doué dans la construction, donc. Moi, sur ce Oh, c'est comme serveur-ci, tu je sais veux, hein. faire un carré. Je suis plus doué dans Minecraft pour faire des constructions que dans Ark. Par contre, je t'ai perdu de vue. Ouais, moi aussi je t'ai perdu. Est-ce que je vois le rayon blanc? Un rayon blanc? Oui. Ouais, c'était parti dans la forêt en fait Non, en ou. fait, je me suis arrêté sur la plage pour Attends, je faire reviens la. sur la plage. Bah, j'avance, je vais juste faire la commande. Voilà. On y voit un peu mieux, Ah, hein. c'est bon, je te vois, t'es en face. Bon, je me suis crafté 4 lances au cas où parce que celle-là elle casse très vite. Ouais. Je m'en suis fait qu'une, quoi, moi. Oh, attends, on a un viseur. Oh, j'avais Ouais. kiff, on n'avait pas ça, hein. Non, c'est selon le serveur en fait. Oh, je kiffe.
C'est carrément mieux pour tout ce qui est arc. Après l'arbalète, on n'a pas besoin parce que l'arbalète est quand même très précise. Hein. Oui, ça je me doute. Bon, on va aller chercher le faisceau blanc. Ouais, quitte à Si on... faire. Vu qu'on est devant. Autant le prendre, il y aura peut-être un début de maison. Oui, ce serait bien un petit carré. Ah, je sais pas pourquoi je sens qu'on va pas pouvoir le prendre. Ah non, ça va. J'ai cru qu'il avait fait carrément sa clôture pour prendre. Ouais, jusqu'au bout. Ah tiens, dis-le. Pourquoi est-ce que chaque fois que je le pousse, il recule, ce con? 25 quand même. Il est où? On le découpe. C'est pas avec la pioche que t'as plus de bouffe? Ouais, mais t'en as autant avec la hache et la hache te rapporte plus de hide. Ah, bah, c'est pas plus mal. La hide après pour faire tout ce qui est fringues. Ouais, c'est... Lance-pierre aussi il y a. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir de la hide quand même. Moi ça me va du moment que je tombe pas sur un carnot. Bon, j'ai envie de te dire, si on tue un Carnot, on va prendre 3 niveaux quoi. Ouais, tu prends 3 niveaux, mais essaie de buter un carnot à la lance quoi. Bon, est-ce que 5 est... Ah! Ça éblouit avec le gamin. Faut trouver comment monter. Faut faire attention, ça n'a pas marché sur les nids là. Oh, des dieux. Je suis sûr qu'on se complique la vie pour rien, mais... C'est bon, j'ai réussi. Tiens. Oh, il y a un simple bed, des torches et des box. C'est cool. Oh, bah ça fait déjà un truc pour ce... J'étais Bah les coffres aussi, full. peut-être. T'es full? Ouais, on pourrait quasiment. Ouais, je peux encore courir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, encore des échanges, la critique contre des pierres. Il faut regarder aussi, c'est pour avoir un bout d'eau pour les monstres marins. Je vais regarder sur la map où est-ce qu'elle mène cette eau. Alors, en fait, on est au milieu de nulle part là. Ah, putain, je me fais attaquer par des... Ah oui, celle-là en plus, ça fait mal. Faut se gaffe, faut pas se mettre de coups de lance parce qu'on va perdre de la vie. Ah! Au secours! God. Le dilo, il nous aide. Ça me dérange pas, il peut m'aider. Je suis quand même presque mort. M'a craché dessus, je suis aveuglé. Bon, on récolte. Ouais, la chitine, c'est toujours bien. Oh, je me suis endormi. Je me suis endormi. Je fais un câlin, Dilo. Câlin. En plus, je fais même pas de tirer, quoi. Des fois que tu te noies. Non, ça va, j'ai mon torpor qui descend. Leur comment l'espèce d'araignée là sont à moitié buggées. Porte dessus. Oh, la chitine elle vient pas tout de suite hein. Ouais, j'ai remarqué ça, c'est si je la tape, mais je récolte rien quoi. Ouais, celle-là aussi la level 32, je peux rien récolter dessus. Oh, c'était horrible comment je me suis fait attaquer. Par contre, je suis en train de mourir, je vais manger des baies. Je sais pas si ça va m'aider, mais. Voilà. C'est pas toujours. J'ai de la viande, des flints. Donc, ça, je vais mettre dans outils.
J'ai un point à mettre, je vais le mettre en vie. Encore une chance que j'ai mis la blinde de points en vie. Tous mes points depuis le début, je les ai mis en vie en fait. Les ai mis dans le poids, moi. Ouais, si je quand même. Je vais pas tous les mettre en. Je vais faire un campfire, voilà. Bon, il veut pas le crafter. Ah, si, voilà. Hop, tac. Je vais pas le poser ici. Je vais le garder pour plus tard. Parce qu'au pire, pour remonter sa vie, j'ai des steaks à faire cuire. Donc, j'étais en train de dire ici, t'es au milieu de nulle part, ça rejoint à rien. Mais si on continue dans cette direction, on va arriver près de l'eau. Parce que tu vois ici, la montagne, elle donnait bien. Je vois l'espèce de grand lac, c'est ça? Nous, on n'est pas au Gros Lac, hein. Non, mais c'est là où tu veux aller en fait, là où il y a les trois rivières en fait qui se rejoignent, qui vont vers la mer, c'est ça? Oui, on peut aller là, oui. Sinon, C'est comme tu veux. t'as la pleine mer aussi, quoi. T'as soit le choix entre la pleine mer ou alors là où il y a les trois rives. Après, le problème c'est pour plus tard quoi, pour le fer et l'obsidiane. Fer et obsidienne, ça c'est plus haut. C'est dans les montagnes. Si on a des pterans, on sera y allé. Ou alors, c'est beaucoup de carnot tout ça là-bas. Donc, Après, c'est comme tu veux. ou alors on fait comme sur l'autre serveur, on se réinstalle sur la petite mâchoire là où on était là, le comment? Ouais, je vois l'espèce de petit bout Ouais, le d'île. petit bout là. Comme tu veux. Parce que là-bas c'était bien plat. On avait des ressources à masse sur le côté. Et au moins t'es au Bah, vas-y. milieu, enfin tu sais aller dans les montagnes. Maintenant faut se repérer, je pense que c'est par là. Par là. Faut faire attention, c'est. Maintenant, par là, on va dans l'autre sens, non? Non, non, là on est bon. Ouais, on est plus ou moins bon. Est-ce que t'en avais même un qui avait fait son parc animalier ici? Par contre, y a rien dans l'eau, c'est flippant. Ah, l'eau, elle est toute noire en plus. On voit rien dedans. On dirait du pétrole. Ça doit être. Non, c'est bien par ici. Tu te souviens pas que t'étais resté bloqué contre la falaise? Ah Avec si si oui. tous les dinos. Oui effectivement. Ouais, j'ai mémorisé tout ce secteur-ci, je le connais presque par cœur. Non mais c'est vrai que moi je repense pas avec les constructions etc. Ah, il y a un ptérodactyle qui n'est. Chuck Norris. Ok. Le pauvre, il est abandonné là. Je sais pas si ça réussit à me suivre. Il y a des petits bugs de fois de micro. T'avais dit quelque chose? T'avais dit quelque chose? Ouais, je t'avais demandé si tu t'arrivais à me suivre. Ah oui, t'inquiète pas. Ah bah j'ai pris un niveau, tiens. Ah merde, des araignées. Je les vois pas. Elle t'attaque? Nous j'en ai tué une, mais je crois qu'il n'y en avait qu'une. J'en avais vu Après, deux. c'était des dodos après. Oh. Tiens, derrière toi. Je t'ai eu. Je crois qu'il faut quitter la forêt. Je crois que. Putain, et maintenant une araignée. Wow. Là, il y en a beaucoup trop, les gars. Je crois qu'il faut quitter la forêt. Oui, ils m'ont cassé les os, je vais crever. Attends, dégage. Essaye de courir. Je On peux pas, court. ils m'ont cassé les os. J'en ai eu deux. Il en reste une. C'est bon, elles sont toutes mortes. Ah oui, le Val 48, ça te met un coup, malgré que ça soit un petit truc, laisse tomber. On les découpe. Eux, ça va toujours de la chitine d'avance, hein. Bah en fait, je les découpe, mais ça me. Des fois, elles me donnent quelque chose, des fois, elles me donnent rien.
elle me donne plus rien. Elle me donne de la cheating en masse. Je crois qu'en fait elles sont buggées. Pense, ouais, parce qu'elles ont été implantées il y a pas longtemps. Celle-ci, je pourrais rien récolter dessus. Maintenant, je pourrais récolter dessus. Bon, c'est pas grave. Normalement, je vérifie sur la carte si on est bon. Normalement, je pense que si on voit un rayon blanc, le En rayon blanc, fait, il réapparaissait ouais, mais en toujours fait, dans la base. on est Hein. parti dans la mauvaise direction. Je crois que t'avais raison. C'est dans l'autre sens. Si on allait plus par là, donc Je pense que si on coupe directement, ça devrait y aller. recoupé par le bois. On va essayer de rejoindre la Parce que rive quand même, regarde ta parce que... map. Je suis en train de mourir de faim, moi, en plus. Je sais pas si je peux manger de la viande non cuite. Oui, mais ça t'enlève de la vie. Enfin, un tout petit peu, pas, c'est pas énorme. Ou alors attends, je coupe un peu de bois et je la cuis. Attends, je vais retirer le gamma. Un temple aztèque ici. Quoi? Ah, il y a un mec qui a construit un temple aztèque. Ouh, je crois que je me suis trompé. Je suis en train de cuire un peu de bouffe. Tu me repéreras facilement un feu de camp. Ouais, je suis en train de chercher. Parce qu'en plus j'ai ma vie qui descend à vitesse grand V. Et la bouffe qui est difficile à cuire. Voilà. C'est bon, je ne mourrai pas aujourd'hui. Je vais cuire toute la bouffe, hein, ça sera fait. Je sais pas si t'es loin de moi. Non, je te vois, t'inquiète pas, je regardais juste parce qu'il y a un raptor dans le coin, alors du coup... Ouais, si, vu qu'on est dans une plaine, ça va. J'ai plus facile à me repérer dans les airs que me repérer. Si t'as faim, il y a bouffé qui est en train de cuire. Non, t'inquiète, c'est bon, perso, il est à fond. Faut qu'on revienne en arrière parce qu'en fait on était là et on est parti comme ça. Bon, alors ce qu'il faut faire c'est soit on revient en arrière et on longe la rive, soit on descend un peu plus bas et on longe la rive tout le temps. Bon, c'est comme tu veux. Pour être sûr de pas se perdre, je crois que c'est mieux de longer la rive. Faudra. C'est difficile hein, à se repérer. Hop. Parce qu'en plus, la viande, ça rend de la vie. Je cuirai le reste tantôt. J'en ai une pour me remettre de la vie au cas où. Voilà. Et hop. La rive, elle est par où? Le jour se lève ou il fait déjà nuit? Ce qu'il fait déjà nuit. Déjà? Tu l'as cassé? Donc je crois que c'est par là. Je ne suis pas sûr. Bah non, c'est bon, j'ai raison. Donc là, on est sur la rive. Non, faut savoir choisir le bon côté à partir, à droite ou à gauche. On dirait à gauche. Je dirais à gauche, ouais, je dirais à gauche aussi, vu qu'on est parti dans le mauvais sens. Au pire, on regardera quand on sera un peu plus loin. Ouais, la nuit tombe déjà. Lui, il a fait une petite base.
Et puis t'arrives à me suivre? Ouais, t'inquiète pas. Derrière toi. No problème. Je vais regarder quand même la map. On est parti dans le mauvais sens. Quoi? Ouais, c'était par l'autre côté. On remonte en fait. Les poisseux là. C'est bien à droite qu'il fallait prendre. Pour boire un coup à la flotte. Oh, je vais boire aussi. Maintenant, t'as juste appuyé sur E près de l'eau pour. Ah ouais, cool. Je vais plus attaquer par les piranhas. Lui, il a fait un gros temple. C'est ici que j'étais tantôt? De quoi? C'était à ce temple-là que j'étais tantôt. Non. Non? Ah, je sais pas, t'avais dit un temple aztèque. Ah oui, parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Suis déjà épuisé, quoi. Bol. Ce serait quand même malheureux que quand on arrive, il y a une autre place qui soit prise. Oui, ce serait dommage là. Ah, ça serait pas grave, on trouvera une autre place, on pourrait même s'installer un peu plus loin. Moi, du moment que je suis pas dans les carnots, ça me va. Normal, j'ai envie de te dire. Ça devrait être bon normalement. Ah, oh, bien sûr, qu'est-ce qui doit nous barrer le chemin? Un punaise de Spino, il y en a deux. S'il est sur l'autre rive, ça va, mais s'il est sur notre rive. T'arrives à me suivre? Parce que je te vois plus. Oui, t'inquiète pas, j'arrive, j'arrive. C'est juste parce qu'en fait, vu que mon perso a quasiment le poids à fond. Bah donne-moi un peu, j'ai rien comme poids. Si ça t'empêche de courir. Voilà, je suis en moitié. Ouais, ça devrait être bon. Nickel. Attention, il y a un spino plus loin. Ouais, effectivement, il y en a un qui est en apnée. Bah limite celui-là ça va, il est pas dérangeant, il est en train de se battre. Faut juste longer bien bien à droite. Faut surtout pas qu'il nous repère. J'ai pas envie, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est revenu en arrière. C'est pas d'ici qu'on a démarré tantôt. Le Je crois portail. bien. Je crois bien. On a tourné en rond. Enfin, en même temps, on n'avait pas vraiment de but au début. Hop. Il y a toujours quelqu'un installé près de cette cascade quand même. Bah Dingue. franchement, c'est un bon point, je trouve. Ouais, bah ouais, t'es à côté de la mer, t'as la cascade. Il a mis un coffre. Faut un pin code. Le mec a pas encore fini de s'installer, par contre. Non, il a pas encore fini. Je Crois crois qu'il a vu trop grand, hein, au niveau de la base. que. Si ça se trouve, il est tout seul ou alors. Il y a peut-être un ou deux amis avec lui, quoi. Mais il a vu beaucoup trop grand. Clairement, là, oui. Sur l'autre serveur, ça serait pas passé. Ouais. Le mec il compte s'installer tout seul, mais un truc énorme quoi. Et aucune pression quand même. Et du coup, ça va être tout droit parce que je me souviens qu'on était à droite de l'arche verte, nous. On peut traverser, ouais. Si tu veux, on traverse. On sera plus court. Mais je prends ma lance en main. Ça sera plus court, mais il faut faire attention aux araignées. Aussi. Si tu cours, normalement, elles ne seront pas rattrapées.
Si tu te fais attaquer, dis-le moi. Normalement, ça devrait aller. Je me suis toujours pas fait attaquer, donc ça a l'air d'aller. Je vois rien, mais ça a l'air d'aller. Il dirait qu'il y a un T-Rex sur notre emplacement. Ce serait malheureux. Ah, je suis ébloui par le soleil. Ah, je reconnais ici. C'est bon, moi je suis repéré. Je sais pas si t'es près de moi. Bah je sais pas, de toute façon moi je vais à l'endroit. Il y a juste Ouais, au pire, on se retrouve un là. truc volant qui est en train de me suivre. Il va mettre 2-3 coups, il va crever, il va lâcher l'affaire. Il est mort. Un autre. De toute façon c'est la famille, dès que t'en as un qui t'attaque, ils attaquent tous après. Il a l'air d'avoir personne, en tout cas il y a les arbres. C'est vrai qu'il n'y a personne qui veut s'installer là. Et après tu sais, t'as une vieille fondation. Enfin, surtout que le temps de destruction des fondations est vachement long sur ce serveur. Ils l'ont mis au maximum donc. Ouais, 15 Ok. jours, c'est énorme. Ouais, en fait il est doublé par deux donc le touch c'est. Touch c'est 7 jours quoi. Ben, ça va, c'est libre. Je ne vois pas de fondation. Je vois pas de T-Rex non plus. Il manque un peu qu'un vieux feu de camp. Ouais, comme la dernière fois. Voilà. Non, ça va, y a rien. Je vois pas de tâche. Cette tranche, elle me semble plus petite. Ah, si, il y a un feu de camp. Il devrait pas être gênant, quoi. Il devrait même nous être utile pour cuire la bouffe. Pas serein là, il y a un raptor devant moi. Essayer de l'esquiver. Bon, il est en train de bugger sur une araignée. Ça va. Ouais, mais on ça va, on peut s'installer. Se faire une petite maison. T'as un raptor devant toi? Non, non, c'est bon, t'inquiète Ah, pas, il est t'as en le. haut de la Ah, oui, colline. je viens de te voir ton nom apparaître d'un coup. Boum, bonjour. Ah, bah, je peux le démolir, le feu de camp. Mais je vais pas le démolir, c'est. Au garde de l'eau le temps qu'on passe notre bouffe dedans, Elle ça évitera guesse, d'en le mec. reconstruire un. Ce serait dommage. Donc voilà. Si je vais mettre cuire la bouffe que j'ai. Ainsi, tu vois, on aura. Ah, attends, on peut déjà mettre cuir, il a laissé du bois dedans. Ça va, tiens, hop, cuit. Hop, tac. Bon, en même temps, faudra récolter. Ça sera beaucoup moins rapide que la dernière fois que j'ai dit non. C'est sûr. Limite, toi tu coupes à la hache ou à la pioche? Bah là, je ramasse des fibres en fait. Ah d'accord. Parce que toi t'aurais commencé à la, j'aurais fait à la pioche, si on avait autant de touch que le bois. Vu qu'il faut... faut du touch et du bois. Pour la première maison, on fait comme avant, un petit truc, hein. Ouais, un petit truc même en touch, le temps de se protéger. L'air de vivre. Limite, c'est ce qu'il faudrait déjà faire. Une fondation avec un coffre pour se vider. Ou alors je fais un coffre comme la dernière fois. Attends, attends, c'est bon, j'ai les fondations. Ah, d'accord. Même à les coffres, ils peuvent être provisoires. Ouais, de toute façon, ceux-là, c'est des tout petits.
Ah ouais, je mettais les thatch et les bois dans l'autre coffre, moi, en fait. Ouais, vas-y, je vais faire pareil. Ainsi, tu sais, quand tu dois construire, c'est plus facile. Est-ce que je fais cuire ta bière en entossée ou... Comme tu veux, vas-y, hein. Pas de soucis. Hein, ça fait de la bouffe à manger. Oh, j'ai de la chitine, j'en ai 69, quoi. Le chiffre du bonheur. Vu que pour le moment on est que deux, on va pas voir trop grand. Non, pas comme notre enclos qu'on avait fait qui était juste immense et... Ouais, bon, on était beaucoup plus aussi. On était combien? 5-6, je crois. Ouais, plus ou moins. Tu coupes du bois ou tu récoltes? Non, je fais toujours de la fibre. J'en fais aussi. Faut bien ce qu'on pourra faire après aussi avec les baies, c'est capturer un petit truc, hein, si tu veux. Avec les baies. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à capturer avec des baies? Ça part un mammouth? Ouais, voilà, astigo, ça. C'est vrai que Et encore. le mammouth, lui, il récolte tout, quoi. On Ouais. pourrait même se faire un triceratops pour le thatch. Ouais. Je sais pas si c'est aussi augmenté avec les dinos, ou si ça change rien. Ben moi, il me semble que le mammouth, quand j'ai essayé au niveau 2, il était quand même vachement rapide. Hein. Ouais, donc voilà. Genre en 5 minutes, j'avais, enfin, j'étais peut-être pas à un quart, tu vois, mais à la moitié de un quart, donc ça va quand même vite. Je... Bon, après, si c'est un trifle, il va falloir le frapper à la main. Ah C'est vrai qu'en fait on n'a pas encore tout. non, l'arc, c'est niveau 15. C'est vrai, quel était le premier qu'on a attrapé? Ah ouais, mais vous avez déjà des arcs. C'est vrai que quand t'es bas level, je vois pas vraiment avec quoi tu peux attraper. Ouais. À la limite, tu peux attraper un parosaure Et pour mettre des encore, trucs dessus. il faut vraiment l'attraper quoi. Faut Ah, ou lance-pierre qu'on peut les assommer. C'est ça comme ça. Lance-pierre, c'est long. Mais vu qu'on sera deux. Attends, pour intérêt, il faut qu'on compte à peu près 50-60 pierres, je crois. À deux, pour un level 1. Donc pour un triceratops, tu comptes à peu près 30 pierres quoi. À deux, ça va vite, hein. Il suffit juste de te mettre dans un point de hauteur. Tu prends un masse de pierres, tu prends 100 pierres sur toi, on ne sait jamais. S'ils ont augmenté la résistance de tout. Ou alors le mieux c'est de se faire un scorpion, lui au moins il paralyse. Ouais. Mais faut en trouver des scorpions. Ouais, je pense qu'en longeant la plage, on peut peut-être en trouver un. Hein. Sur la plage ici, non. Je pense pas. Pense. Je suis presque sûr que non. Par contre, ce qu'il faudrait faire pour pas que ça repousse derrière nous, c'est mettre des fondations, non? Oh. Au pire, dit qu'on aura les bestioles. Ouais, en fait, ici on avance pour récolter. C'est quand même marrant, on est sur le TS d'un serveur sur lequel on ne joue plus. Et Ouais, là, il surtout qu'ils en rentre. ont un TSE. Ouais, Ouais, mais c'est plus facile tu sais, si t'es à Crodex ou. Comment? Ou sur Phoenix 6 Connect. Parce que Gilix, lui, il se connectera quand il voudra. C'est vrai que moi, après une semaine sans jouer, je suis en manque. ah, et puis il y a plein de changements en ce moment qui fait quand même. Ah, par contre, les fibreurs, ça se stack par combien? Parce que. 200. 200? Ouais, ça a changé. C'est mieux, je trouve. Clairement, ouais. Donc, moi, je m'occupe des selles et toi, tu t'occupes des maisons alors.
Bah, autant te dire que tu vois, sur mon perso 61, j'ai réussi à tout débloquer sauf les selles. Donc, t'es quand même très large. J'avais toutes les armes, j'avais tout pris au niveau des bâtiments, sauf les trucs, comment? Les trucs là pour planter. Je vois pas trop Ah l'utilité en oui. fait. Bah ça limite je le débloquerai moi. J'ai cassé ma hache. Comment est-ce que je répare ça? Ah oui, il me faut un flint. On l'a fait combien sur combien à la maison? Calculons que notre 2 pour le moment, allez, un petit 9 en 9 carrés quoi. 3 sur 3, je sais pas si ça sera suffisant. Ou tu fais la même que tu avais fait sur l'autre. Je sais pas en combien tu l'avais fait. À l'autre, je sais plus. Je crois qu'on l'avait fait 9 sur 3 sur 3 aussi. Ouais. Bah, fais-le comme ça suffira. Si pour le moment, vu qu'on n'est pas énorme, si les autres viennent nous rejoindre, là oui, on pourra faire plus. Oh, les ressources sont diminuées. Ah ouais, c'est la tâche, laisse tomber. Autant la fibre, tu vois, j'en avais récolté 300 là, mais la tâche, ça part trop vite. À la pioche, ça va aller vite. Ah, le mieux, c'est quand même à la pioche en fer. Hein. Ça va une de ses vitesses. Plus, on a déjà plein de cailloux. Bah, Ça, on les dirait. cailloux c'est 3 par 3, du coup tu restes appuyé sur E et. Ouais, si tu restes appuyé sur E, ça récolte. Ouais, enfin tu restes appuyé Oh. sur E. Quand t'es sur un buisson, tu restes appuyé sur E, ça va récolter le buisson jusqu'à la fin en fait. D'accord, donc je martèle le E pour rien. C'est la solution facilitée. Voilà. Ah, une tortue. Je sais pas à quoi ça sert la tortue à récolter, franchement. Rien du tout, c'est de la déco, c'est un tank. Pour prendre les coups. Je sais pas, il va dans l'eau aussi. Ouais, mais bon. T'en prendre un croco. Ouais. Oh, Bon, faut bah, mieux. du coup, il manque plus que les murs et le toit. La porte. Bon, enfin, la porte, ça va encore. Sinon, j'ai déjà remarqué ce qui donne bien beaucoup de tâches, c'est les arbres qui sont couchés. Je sais pas si t'as déjà essayé de les faire. Je sais pas si c'est le même sur serveur-ci. Sur l'autre, ça en donnait plein. Après, 30. celui-là est quand même plus facile. En Ouais. fait, t'as vu, regarde le truc qui vole, là, regarde derrière nous. T'as vu? Ah oui, mais c'est le nouveau terrain. Ouais, mais c'est tout Tu peux pas monter petit! dessus, hein. Ouais, je trouve ça magnifique, t'as vu? Ouais. En plus, il est tout blanc. Oh, attends, s'il se pose, j'y mets des coups de poing. Il a une tête de crocodile en plus. Ouais, laisse tomber. Là, il faut vraiment la flèche tranque. Magnifique. Il revient vers toi. Ah oui, il m'attaque. Bah, attends, on va l'avoir au coup de poing. On va t'amener un perroquet. Des vrais pirates. En plus, il est tout blanc. D'où le nom Exo-Albinos, hein. Mais c'est impossible à toucher. J'ai plus l'impression qu'il t'attaque. J'ai l'impression qu'il veut pas. Et je sais même pas si c'est herbivore ou Non, carnivore. carnivore, ça? Oui. Oui, c'est un nouveau qu'ils ont rajouté, j'avais vu, j'avais trop hâte de le voir. Mais ils en ont rajouté beaucoup alors, ça se trouve, ils ont même rajouté l'homme singe. Non, l'homme singe, apparemment, il servira pour la tâche, lui. J'en sais rien, moi je m'en servirai comme esclave. Et il y aura aussi le truc là. Comment l'espèce de gros dino là pour les cailloux dans l'eau. Impossible, je ne sais pas. Comment? Un poisson en fait qui mange les cailloux. Pour récolter les cailloux dans l'eau, ce sera pas mal.
Ils plus récolté. Bah après les maisons en cailloux ça sera facile à faire, hein. Ah oh oui, ça, pas de soucis. Et si limite, il faudrait demander qu'est-ce qu'il se nous coûterait pour échanger un mammouth. Et les mammouths, je crois qu'ils ont du mal ici à les changer. Hein. Ouais, Par je contre, si crois. tu veux des raptors, il y a un mec qui vendait deux raptors niveau 27 tout à l'heure. Et il les vendait 750 fibres avec les selles. Yes. À quoi que la fibre, tu sais, c'est le truc qui est un peu plus chiant à ramasser, C'est mais vraiment qui. ça en fait. C'est le Et plus pour eux, utile. c'est ça. Pour eux, la Après. fibre, c'est trop dur. Donc ils préfèrent les changer. Après, tamé, moi ça me dérange pas, mais un raptor, je sais pas si ça a l'utilité. Franchement. Ah, pour se déplacer, que dalle quoi. Là, ce qui me ferait plaisir de trouver, ouais, si c'est un raptor, parce que les raptors ou les scorpions, souvent tu peux accéder à leur inventaire. Ils ont des lance-pierres et des arcs et des flèches dedans. Ouais. Donc, on pourrait en trouver un, ce serait stylé quand même. Surtout les scorpions, j'ai remarqué qu'on a pas mal de ça. Bon, en fait, c'est les joueurs qui sont tués, hein. Ah ouais, mais c'est hallucinant le nombre de flèches qu'il peut y avoir dans un seul de ces trucs, quoi. Bah, avec le nombre de fois où je suis mort avec la blinde de trucs sur moi. Ouais, imagine tu tombes sur le raptor qui a des fusils sur lui, ça serait tellement beau. C'est ça. Récolte de la tâche. Je sais pas, moi ça. J'ai de temps en temps un petit coup de lag, mais rien vraiment. Ah, c'est quand même beaucoup moins que l'autre serveur, hein. Oui, beaucoup moins. Hop. Je te dis, la dernière semaine, c'était horrible. T'as mis un lit commun? Ça, ouais. Ouais, le gros. Génial. C'est celui-là que j'ai trouvé dans comment ça s'appelle? Dans le supply. Oh oui, y a pas de souci. Là pour débloquer toutes les fondations etc. J'ai vraiment pas assez de points au début. Les points au début c'est la galère et après t'as un grand vide où t'en as tellement. De quoi les. De quoi tu parles en fait? Attends, je. Ah bah la maison, il y a une porte, ça c'est bien. Tu as mis un lock? Sur la porte, non. C'est pas marqué locked donc. Ouais, donc il y a un code, ça va. T'es parti en fait? Ouais, je m'amuse à tuer des commandes des dinos. Des Pas de la dinos. viande. De la viande. Ouais. Un tricycle. Un triceratops? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il me veut, je le défends, mais il me nique. Ah, c'est bon, je me suis mis sur une colline. Je sais pas, t'es parti à droite ou. Je suis parti sur les... Sur la rive droite. Enfin, je vais avancer, je vais regarder. Bon, hop, j'ai quelques coups de lag. C'est peut-être parce que clic droit fermé. Voilà. On va essayer de trouver une position où un dino pourrait pas monter et essayer de me faire un triceratops. Dommage. Hein? Je peux le tamer? Ouais.
Sans pire, si je meurs, je respawn dans le lit, mais normalement là où je suis, il pourrait pas m'attaquer. C'est seulement 57 pierres, donc je sais pas si ça suffira. Oh, je pense, non? Normalement, oui. Normalement. 500 stone, je le livre. Ok, bon, on va tester ça. Hop. Je suis complètement nul au lancer de caillasse. Ah, j'ai touché. Je vais laisser se rapprocher, voir ce qui se passe. Si ce con veut bien venir. Je crois qu'il est complètement trisomique, qui veut pas venir. À level 4. Ça a changé les paramètres de la tribu pour le tamage ou pas? Oui, je les ai mis pour que ça te mette ton nom. Ok. Histoire que les gens repèrent bien que c'est toi qui as tamé des bestioles, etc. Pas qu'ils disent, ah la tribu, elle a tamé ça. Non, non. Je l'ai eu. Bon, seul problème maintenant, c'est qu'il faut le nourrir. Normalement, avec les baies qu'on avait récoltées. Tu les as mis dans les coffres, toi? Oh my god! Je me crois ou pas, il y a un alligator. Ouais, il y en Oh, a il y un. en a un. La première fois que j'en vois un in-game. Hein. Il est juste à côté de notre base. Ouais? Ça monte pas sur les cailloux, ça, l'alligator. Pardon? Ça monte pas sur les cailloux. Dans la logique, non. Enfin, s'il a Pense pris qu'on des peut se le coups. faire. Dans la logique, oui, mais il faut énormément de viande, quoi. Oh bah j'en ai. Et du Dans le narcotique. narcotique. Des narcoberries, j'en ai 43. À part s'amuser à récolter. Attends, viens voir son niveau. Au pire des cas, je le tue. Jamais tué d'alligator. Non, non, capture-le, c'est mieux. Si tu sens que... Essaye d'avoir quand même une centaine de pierres, quoi. J'en ai 64. Il m'a fallu à peu près une vingtaine de pierres pour celui-ci. Je lui mets des baies dans l'alligator, ce sera un alligator végétarien. Il est reparti sous l'eau. Non, il est pas reparti sous l'eau en fait. En face de moi, casse-toi avec ton gros nez, sérieux, abuse pas. Hey, garde dans ton gros nez la pierre. Il y a un autre Triceratops qui arrive pendant que je suis en train de tamer un Triceratops. Bonjour. Non, je suis pas encore Il est développé. level 4 en plus. Ah, mais aussi level 4. Ça va, il avance assez vite. Faut tirer que dans la tête avec les pierres. T'iras plus vite si tu tires dans la tête. Au pire, Je si me tu suis. sais monter sur le toit de la maison. Ah non, mais. Oh Oh. là là! Ah, tu t'es fait battre. Mais non, mais j'étais en haut d'un caillou. Il m'a mis un coup sans raison et je suis mort. T'as perdu beaucoup? Comment ça? Des affaires. Beaucoup de viande, ouais. Enfin, c'est bon, de toute façon, c'est pas très loin donc. Ouais, bah il tuera dès qu'il te verra. Ah ouais, moi je suis monté assez haut hein, pour le Triceratops. T'as été vers l'île? Enfin, t'es Genre, je monté suis sur toujours notre sur île ou l'île, pas? hein. Oui, je suis toujours sur l'île. Hein. Je suis parti un peu plus loin et il y avait un gros caillou. Il savait monter, hein, mais il a pas voulu monter. Moi aussi je suis sur la même île, donc techniquement on devrait pas tarder à. Enfin, je devrais te voir parce que moi je suis mort au bout donc. Alors, tu devrais me voir, je suis en train de ramasser. Tu auras des Je suis fibres en même choqué. temps. Choqué. C'est marrant, je ramasse que des fibres, je ramasse pas de baies quoi. Il me faut des baies. Ah, je reçois ton XP donc. Ouais, je reçois aussi le tien. Hop, ah, ça y est, je te vois.
Juste un autre à côté, un tricé. Et là, il est Ah, niveau 8. je ne sais pas si on s'en fait deux, je ne sais pas si c'est l'utilité. Bon, je pense pas. Moi, je me le ferai en albinos quand j'en trouverai un albinos. Ouais. Mais si je l'ai pris, c'est par hasard en fait. Je n'ai pas vraiment prévu de repartir avec un Triceratops. On n'a même pas la selle, quoi. Je sais même pas c'est niveau combien. Oh, tricé, ça doit pas être très haut, ça doit être 30. Ouais, bah, avant qu'on y soit. On Bon, pourra sûrement les changer. ouais, un dilo. Un dilo contre une selle de. Tu te fous de ma gueule? Oui. Ouais, je suis sûr les mecs ils sont pas assez prêts. J'ai un mec qui m'a crafté ma selle de Stago, il m'a rien demandé en fibre. J'ai juste demandé les composants, il est venu avec son argentice à côté de moi, il me l'a faite. Bah, par contre, toutes les 2 secondes, je suis essoufflé quoi, c'est abusé. Ouais, faut mettre des points en stamina. Quand t'as pas de dino, c'est ça le problème. On a été habitué à être toujours avec des dinos et aller vite. Ouais. Ouais, il commence à faire nuit d'un coup, quoi. D'un Bon. coup, bam. Normalement, je suis mort par là, je crois. Je suis dans l'eau. Ah, mon cadavre, il est là, je me vois. Je flotte. Maintenant, il faut espérer que le croco ne soit pas dans le coin. Bah si, en fait, il est sur moi. Il t'attaque? En fait, j'arrive pas à bouger, j'ai l'impression qu'il est buggé sur moi. J'avance à 2 à l'heure. Ben, je suis blindé de poids. Attends, le croco il est venu, il m'a attaqué, il est parti. Ah, c'est comme ça. J'essaie de m'enfuir parce qu'en fait j'ai tellement de poids que je peux pas bouger. J'ai eu tellement chaud le croco quoi, mais OMG. J'hésite à partir. Je vais juste lui remplir sa barre de. Qui s'endorme là. Et je vais vite aller à la maison parce que j'ai la blinde de fibres et je commence à être en surpoids quoi. Moi aussi, je suis en surpoids alors que j'ai rien dans mon. Ah, bah si, j'ai des pierres. Là, ça Oui, devrait. effectivement, des pierres ça change tout. Mais God, quoi! C'est quoi ce croco? Mais le croco il sort de n'importe où! Et t'es mort? J'essaye de le bugger dans le caillou. Va me niquer. De toute façon, il me met un coup, je suis mort. Voilà. Eh, c'est ouf, hein, putain. Ça commence bien, ça. En plus, c'est un croco albinos. Alors, c'est même pas un albino, c'est un croco normal. Je sais pas, il est marqué albinos. Ah, c'est moi qui est mort. Bon, je trouve pas la porte. Punaise, quand tu te réveilles, on dirait que tu viens d'avoir un orgasme. Ah Ah. oui. Et du coup, est-ce que ça garde sa barre de torpor ou pas quand je lui mets dans la gueule là, les cailloux et que je reviens? franchement, j'en ai pas la moindre idée. En fait, on n'a aucune baie. Je pensais qu'il y avait quelques baies. T'es parti? Bah, récupérer mes items. Je À la comprends. base, je suis parti pour les chercher, mais le croco il m'est tombé dessus bien avant. Et le pire, c'est qu'il était bloqué dans l'eau avec moi. Ensuite, je me suis caché, j'ai mangé des baies. Une fois que j'ai fini de manger mes baies, machin, il a sauté d'au-dessus du caillou. Y a vraiment aucune raison, quoi.
De dingue quand même. Et par un croco. Le ce croco. Plus jamais t'as mis de croco. Du coup, ça fera un truc de plus dans le. Ouais, moi non plus, je l'ai pas. J'en ai C'est la première beaucoup, fois que j'en mais. vois. Au moins, il m'en manque plein. Bon, faut que je récolte en masse. Allez, quand t'as pas le stago au début, c'est long, hein. Ah, mais j'ai l'impression qu'en martelant, tu vois, ça c'est plus aléatoire. Quand tu restes appuyé, t'as plus de choses de la même chose. J'ai l'impression. Ouais, si je reste appuyé, tout ce que j'ai, c'est des fibres, quoi, et des adders. Quand tu martèles, j'ai l'impression que t'as plus, quoi. Je sais pas. Mais pour le bien de mon clavier, je vais pas marteler. Déjà qu'il fonctionne à moitié. Tortue, c'est pas méchant. Hmm? Parce que je vois un truc au loin avec une carapace, je me méfie. Mais c'était une tortue bleue. Alors je suis mort par ici. Le putain de croco, il est là. Ah, il s'est posé, quoi. Genre, il se pose sur mon cadavre. Fais attention que t'as deux cadavres hein, maintenant. Ouais, pas au même endroit. Oh, mais attends, il vient à 50 mètres, quoi. Oh, le croco des Galapagos, quoi. C'est impossible. Je te jure, en narcotique, il coûte cher, lui. J'ai l'impression que je vais pas réussir à le garder. C'est quoi ce croco qui grimpe à 90 degrés? Arrête! Croco, fais-moi pas ça. Et de l'attirer loin. Je pense qu'il court pas trop vite, un hein, croco. Maintenant, faut espérer qu'à chaque fois que tu meurs, ton corps disparaisse pas. Je ne pense pas. Dans mon corps, et je l'ai vu. Là, je fais un tour vite fait. Et au corps, c'est calme. Oh putain. C'est quoi cette merde? Sur mon caillou, auquel croco il se fait une tortue. On avait compris qu'on avait les trois gagnants. Croco vs tortue qui gagne, le croco ou la tortue? J'en ai aucune idée. Le croco. Il a gagné, je suis pas sûr. Bah, la tortue a une bonne carapace, mais le croco a de bonnes dents. En fait, c'est un combat infini, la tortue et le croco là. Ouais. Mais au moins ça permet d'aller récupérer ton stuff. Oh, ça y est, je l'ai déjà depuis longtemps, j'étais même en position pour le croco quoi. Moi, j'ai de la tortue. C'est pas plus mal. La tortue elle sert de tank, elle l'a bloqué dans un coin, du coup
lui tirer des pierres dans la gueule. Ne touche pas la tortue, parce que si t'en as pas assez pour la tortue. Oh, c'est le croco qui est mort. Sans deck. Ouais, c'est le croco qui est mort. Bon, ben dépece-le. Il a peut-être du stuff sur lui. Ah oh, oui! Ben, le tien. Ouais, par contre, la tortue maintenant elle m'attaque. Oh, putain, elle est niveau 50 quoi. Bah, la tortue, je te mets des coups dans la tête. Bref, toi aussi. Yeux de bord de ciel. Normalement, tu as un croco, je me suis fait la masse d'XP du coup. Dans la logique, oui. Là, c'est une tortue level 50, donc ça devrait aussi faire pas mal d'XP. Oui. Par contre, si après tu seras venir m'aider. Ouais, je vais venir après. Attends, parce que là, la tortue, du coup, elle arrête pas de me Niveau bouffe, ça voler. va, c'est les narcos qui me manquent. Dès que j'ai envie d'en avoir 10, je vais les faire manger. Tortue de level 50, c'est juste increvable. J'ai de la chance, elle me met un coup, je crève, putain. Sans deck. Bah tiens, tu vois? J'ai de la chance, moi, avec le putain d'animaux, là. Putain! Tu t'es fait tuer par quoi? La tortue! Bah, ça me dit que t'as été fait tuer par un exo. Où c'est ton nom, exo? Ouais! Exo albinos, c'est moi! Ah. Ah, t'as cru, toi, Exo albinos, c'était un nouveau dinosaure! Oui. Ah non, Exo albinos, c'est moi! Eh, Hein? c'est une tortue de niveau 50, laisse tomber, elle a 20 millions de points de vie! C'est impossible! Bon, techniquement, sur mon corps, il devrait y avoir des baies. Techniquement. Normalement. Voilà, si la tortue les mange pas. J'ai récupéré 5 narcos. Lol. Mon PC vient de me proposer de changer le contraste de couleur pour moins bugger. Quand le PC te demande ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Oh, j'ai le hoquet. Les gens Triste. du serveur, ils sont bizarres là. Quoi? Les gens du serveur, ils sont bizarres. Genre, ça les fait chier de ramasser 500 pierres. Enfin, truc de gueule quand même. Non, c'est pour jouer, hein. C'est les gars qui, comme nous, 40 raptors. Enfin, bon, 500 pierres, c'est que dalle. Hein. Les gens Triste. du serveur, ils sont bizarres là. Quoi? Les gens du Tu es sur serveur, une ils sont plage, t'arrêtes bizarres. pas. Pas de spammer eux, en 2 secondes, tu les as tes pierres.
Quand tu vois déjà tout ce qu'on a là, alors qu'on n'a pas vraiment farmé les pierres en particulier. Bah oui. Ce sont les gros. Hein. C'est tous ceux qui ont des grosses bases, qui ont la blinde de dinosaures. Bon, enfin bon, si t'as tout débloqué, que t'as la flemme, c'est un peu con. Limite, tu es sûr, la selle là, du TC, tu peux l'avoir contre 100 pierres. Ah, Qu'est-ce qu'il un œuf de dodo. T'as vu un œuf de dodo? Ouais. J'ai tiré une pierre dans le cul, il a chié un œuf. Finesse. Ah, Ce c'est serait bon, je vraiment dois bien, aller. c'est qu'on pourrait les faire éclore. Grave. Ça sera vraiment propre. Tu le recevras le niveau 1, t'imagines un T-Rex level 1? Ah. Moi, je kifferais, franchement, je ferais qu'un élevage, hein. T-Rex, 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 T-Rex. Mais quand même, à la fin de faire des élevages de T-Rex, t'aurais un peu des problèmes de consanguinité. Ah ouais, je pense. Tiens, je te mets mes baies dessus. Ah, Oh. génial. Voilà, j'étais tout rempli. Je vais prendre la lumière blanche qui va apparaître à côté. Ouais, il y a une lumière blanche. Oh, juste à côté de nous. Et là, on reçoit des arcs et des flèches pour empoisonner. Oh, j'ai encore tiré un truc dans la gueule du dodo, voir s'il chie. Oh, le dodo. Je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça, mais Access inventory. What? What? Les dodos, ils m'attaquent? Quoi? les dodos t'attaquent. Mais regarde, viens voir, je suis à côté de la lumière blanche. Sans deck. Je te promets, le dodo, il m'a mis un coup de bec. Regarde, il est vénère. Tiens, prends un caillou dans le nez. Et maintenant que t'as mal, tu t'enfuis. À l'attaque, les dodos. Mais genre quoi, un dodo qui m'attaque, mais lol. Oh ouais, t'avais de la narco, toi. Ah bah oui. Genre c'est nouveau, le dodo il t'attaque. Il était vénère. Aucune pression, c'est genre t'as touché à ma femelle. Bon, tant pis pour eux, ils serviront de viande. Hein. Ouais, ça c'est toujours pratique. Bon, pourquoi ils veulent pas mourir? Je sais pas, mais il y avait un bug déjà avec les dilos avant. Ok, j'ai deux Damien. Ah, ça bug là. Pas toi? Là sur le jeu? Ouais. Non, j'ai rien. Moi je freeze. Moi je suis chez Belgacom. J'ai pas freeze en point magique. Je peux plus rien faire là. Évite de bouger, t'inquiète pas, ça va revenir.
Ça arrive de temps en temps. Ah, quoique je commence à en avoir. Ah, j'aimerais bien au moins que le timing se termine avant d'arriver au bout. Bah moi je suis déco. Je ne suis pas déco. Lost, timed out, connection lost. Bon, attendant que ça se connecte, je vais aller me faire un café, j'arrive. Ouais, ça va tout de suite. Hop, on récupère tout ça. Salut Yaya, salut Arma. Je vais réduire la luminosité, ouais, c'est parce qu'il vient de faire nuit. Donc j'ai dû mettre ça pour être à l'aise. Parce que dans le noir, on voit pas grand-chose. Voilà, ça sera mieux. Ouais. Alors, ça je vais garder. Se mettre par trois. Il y a une peau de. Yaya, franchement, je suis pas au courant, donc partager, je ne sais pas si c'est possible pour que toi aussi tu puisses y jouer, mais je sais qu'ils peuvent l'acheter ça pour y jouer, mais franchement, je ne sais pas si on peut partager sur PS3, je sais qu'on peut, mais sur Steam, ça doit pas être pareil. Ouais, on a dépassé les trois petits points du Tamash. Oh, nickel.
Merde, je me fais attaquer par quoi? Oh, c'est moi. C'est quoi? Un Dilo. T'inquiète pas. Il est niveau 40, j'ai envie de le tamer. J'ai de la viande en trop. Et tu le... Attends, je vais t'aider. Ah, tu l'as eu? Ouais. Tu vas damer un Tilo? Oh, en même temps, ça va te prendre même pas un quart d'heure. Ouais, c'est le temps de boire mon café tranquillement avec mon muffin. Bah Yaya, je regarderai ça peut-être plus tard, mais je ne sais pas. C'est possible que lui, il ait passé son jeu et qu'il ne puisse plus jouer, ça, je pense que c'est possible, mais partager un jeu pour que tout le monde ait la garde partagée, je ne sais pas si c'est possible. Maintenant, avec toutes les nouvelles mises à jour, c'est peut-être possible. Ah ouais, j'ai vu. Barzek. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est près de ta maison, t'as vu dans le chat? Laquelle? Bah, l'ancienne. Ah! Bah, merci les gars, sympa. Ah non, Berserk! Une légion! T'as vraiment le même nom que la Légion, enfin, c'est la Légion qui a le même nom que toi, mais. Ouais, mais je te dis, même sur l'autre serveur, il y avait un mec qui s'appelait Berserk et pas Barzek, et du coup, tout le monde le confondait avec moi. Salut Weezer, salut Scott. Ah ben je regarderai aussi, Yaya. Parce que s'il y a possibilité de faire ça. C'est vrai que ça serait utile pour plusieurs jeux. Bon. Ça va, Scott, et toi? Je reçois tout ton XP, c'est trop marrant. Ah, il faut récolter, hein. Faut récolter. C'est vrai, maintenant que j'ai plus le québécois, j'ai plus pour le faire chier. Ouais, il y a un certain temps de décalage, je crois que c'est à peu près 1 minute 15. D'après ce que j'ai calculé tantôt, donc. Tant que vous posez votre question, que moi je la vois et que je réponde, on atteint les 2 minutes. Non, je ne saurais pas parce que c'est un TeamSpeak privé, donc ici on reste entre lui et moi. C'est un tech group privé en fait. Ça va au niveau narcotique, t'es bon toi? Oh, bah je m'amuse à en ramasser, de toute façon, Bah tu le je m'en fous surveilles au moins ton grand-chose. dealer. Ouais, t'inquiète. Ah des dieux. J'ai une plante dans un arbre, je peux pas la récolter. M'énerve. T'auras fini ton dealer avant moi que j'ai fini mon triceratops. Seulement tout pouvait être aussi rapide. Ouais, c'est rapide. Quoi, il est déjà combien, toi?
Attends, je vais te dire ça. Je crois qu'il a un quart. Un Ouais, quart? bientôt la moitié, quoi. Bientôt la moitié? Bah alors, j'aurais fait en même temps que toi. Et presque à la fin. Ouais, mais bon, il est niveau 40 aussi, mon truc. Ah oui, c'est un niveau 40, je comprends que ça prenne si longtemps. Le problème, c'est que j'ai déjà récolté toutes les baies aux alentours du Triceratops, j'ai obligé de m'éloigner, j'aime pas. En tout cas, des fibres, il y en a, on va pouvoir échanger contre un Carnot. Bah franchement, si on a 2000 fibres, ouais, je pense. Attends, je vais voir. En fibres, je ne sais pas, mais j'en ai déjà ramené au moins deux ou trois fois à la base, tellement que j'en avais. Surpoids de fibres. Demandez qu'il y ait un dino à me proposer en échange de pierres ou de fibres. On verra qu'est-ce qui ressort. De la pierre, j'en ai pas énormément. Ouais, mais la pierre, ça se ramasse bien sur la plage. Moi, demain, je finis mon heure de conduite, je vais au dentiste. Enfin, là, j'ai un peu de temps. Et ensuite, à 16 h, je joue. Moi demain, le matin, je suis pas là, je vais aller au syndicat remplir ma paperasse. J'ai tout tapé dans la boîte aux lettres parce que j'avais la flemme de faire la queue pendant 4 heures. Vu que je retourne au truc de l'école, il faut que j'aille remplir des paperasses à la con. Alors ici, bah, il n'y a plus qu'à aller faire la queue pendant 4 heures. Parce que pendant les La vacances, galère. ouais, bah, pendant les vacances, ces crétins-là, ils n'ouvrent que 2 jours par semaine. Et bien sûr, t'as tous les chômeurs qui y vont, quoi. Chercher leurs papiers. Alors, il y a une queue jusque dehors. Donc ici, demain, je vais aller une demi-heure avant l'ouverture. Ainsi, je suis premier devant la porte. C'est son marrant, hein. Ils ouvrent à 8h30. Et les ouvriers, enfin les travailleurs qui font les paperasses, tout ça, ils n'arrivent qu'à 9h, 9h30. Ils ouvrent les portes avant qu'ils soient là. C'est pour te donner un local, pour te réchauffer, tu vois, pour te donner l'espoir qu'ils arrivent. Ouais, bah t'attends quand même. Ah, par contre, je sais pas si t'as vu l'effectiveness, ils l'ont monté à fond, je crois. Hein. L'effectivness. Ouais, le t'as mis l'effectiveness. Je crois que dis que tu t'as un dino, maintenant il est directement à 99. Ah, possible. Sauf qu'il descend au fur et à mesure en fait, donc après tout dépend de la vitesse. Et genre, sur le dilo, là, c'était marqué level plus 27 quand même. Hein. Plus 27 level? Ouais, plus 27, mais là, il est passé de 99% d'effectiveness à 27 ou 36. Donc au final, il gagne 7 niveaux, quoi. Ouais. Scott, le jeu, est-ce qu'il vaut la peine ou pas? Ça dépend les joueurs. Moi, j'adore. Franchement, ce jeu, je peux pas le lâcher. J'abandonne Heroes, même Star Conflict, qui était le jeu que je préférais jusque maintenant, hein, que je quittais pas. Ici, j'adore. Enfin, j'adhère vraiment au jeu. Après, c'est selon les goûts, quoi. Faut aimer les jeux où tu vas pas jouer en haut graphisme, parce que c'est franchement un jeu qui prend énormément de bandes. Moi, je joue en médium. Avant, je jouais en low. Et bon, moi j'aime bien. Berserk, il aime aussi, je pense. Ah ouais, oui, à l'aise. Voilà. Bon, oui, les nuits blanches que je passe dessus. Après, faut savoir que c'est un jeu quasiment en temps réel, quoi. Parce que tu es obligé d'attendre des fois entre 4 et 6 heures pour tamer un dino. Donc, tamer, c'est dresser un dino, quoi. Donc, faut savoir rester 6 heures dans son PC à tamer un petit dino, quoi. Enfin, ça, c'est pour les plus gros. Ici, celui-ci, ça va faire à peu près quoi? 1 heure et demie, même pas, que je suis sûr. Ouais, 40 minutes, je pense. Donc, pour les basiques comme ça prend plus ou moins, allez, on va dire en dessous de 2 heures. Après, quand tu commences à t'attaquer aux carnivores, donc ça, c'est. Faut compter à peu près 3-4 heures quand même. Pour les plus gros. Après, t'as les petits dilos. Attends, je vais me bouger, tu peux pas passer. Ah, si tu t'es Vas-y, téléporté. si, non, j'ai juste mis des baies dans ton tricé. Ah oui. Donc voilà, ça c'est un dilo. Lui, il va mettre quoi? Ça fait même pas un quart d'heure qu'il est Ouais, dessus, quoi. 10 minutes et encore, elle est niveau 40, Bon, hein. par contre, la différence entre ce dino et le mien, c'est que moi, le mien, je peux le monter. Lui, il peut pas le monter. Après, vous avez les autres. Hein, il y a les T-Rex, les Carnot, les Spino. Il y a les raptors, ça qui sont bien, ça on va en prendre Le quelques-uns. mammouth. Et le mammouth il est très bien. Merde, l'inconscience. Faut surveiller surtout, c'est l'inconscience.
Après, ici, vu qu'on a recommencé tout à zéro, on a quelques soucis. C'est le temps qu'on se remette bien, quoi. Parce que dans l'autre, on avait les flèches pour endormir. Ici, on en dehors avec des pierres, quoi. Faut leur lancer la blinde de pierre. Et après, tu peux faire comme moi, essayer de télécharger une version crack, l'essayer si ça te plaît, et après l'acheter, quoi. Enfin, moi, j'ai même pas passé par la version crack. Oh, la même. Il était en promotion, je l'ai acheté direct, quoi. Façon, il peut aller que de vers l'avant le jeu, hein. Ouais, là, il est en train de se développer. Si tu veux, c'est Rust, mais en mieux, quoi. Ici, ce que j'aime pas, c'est la pluie. Bah, il pleut. Ouais, quand il pleut, j'ai des petits coups de lag. Il est bientôt fini de tamer. Ah, la Vu même. qu'il est bientôt, hop. J'ai demandé qui sait faire les selles de trick. Le trike. Normalement, cette guerre graphique, oui, tu serais à la faire tourner, mais je pense que tu tournerais plus dans le low. Donc, low, c'est bien. Mais Medium c'est un peu mieux. Mais tu peux essayer, hein, comme je l'ai dit, essayer de faire avec une version crack. Moi c'est comme ça que je teste des jeux habituellement aussi. C'est vraiment parce que t'es en promotion que je l'ai acheté à l'arrache. Ah, j'ai eu le dilo dans mon livre. Du coup, il a pris 5 niveaux. Ouais, c'est plus un truc pour te défendre, hein, ça, le dilo. Tu vas chasser avec, tu dois le mettre en, je ne sais pas, en follow, je crois. Quelque chose. Level 45. Bah, niveau attaque, il est en combien? Attends. Il est à 260%. En attaque, c'est déjà bien. Ouais. Il a de la viande. Faudra pas bien le nourrir. Bah, tu l'as mis en quoi? En attaque ta jet? Je sais pas en fait parce que toute mon interface a disparu. Ton interface a disparu? Ah ouais, faut se déconnecter, reconnecter quand ça arrive. Je crois qu'il y avait une touche pour l'enlever l'interface, mais je sais plus où c'est. Oui, il y en a une, ça je sais, mais. Crois qu'elle est pas assignée. Ah, je vais la voir. Attends, on va te déconnecter, hein. Tu vas avoir le trike dans ton avant, dans ton carnet. Le ball. Moi je l'ai déjà, mais je sais pas si toi tu l'as déjà. De quoi? Dans ton bestiaire, le trike. Triceratops. Pas du tout. Le jeu est compliqué. Non, il n'est pas trop compliqué pour, enfin, pour un débutant. Ça va être difficile à comprendre un peu au début. Mais tu apprends très vite. Hein. Ça va vite. Pour te dire, Frigilix, il a fallu à peu près une demi-heure pour qu'il comprenne les bases. Et au fur et à mesure, quand on joue avec nous, bah, enfin, surtout nous, on explique assez bien, je trouve. On explique plus ou moins comment est-ce qu'il faut faire. Si, je vais peut-être essayer de faire un style de tuto pour s'amuser. Bah, il est level 5 déjà.
Bon, j'ai ramené l'inodino. Sinon, en soi, le jeu, non, il est pas compliqué. On va les ramener à la maison. Hey! T'as follow mon triceratops. T'es carrément en dessous! Il est coincé? Non, ça Non, va. toi t'es en dessous, t'es dans la terre. Non, je suis à côté de toi. Ah bon? Bah moi je te vois sous la patte du Triceratops. Et quand il marche, ça te soulève. C'est un deck. Non, je te promets. Bah, faut que j'appuie sur H pour remettre mon truc, mais ça marche pas. Hop là. Moi et l'orthographe, ça fait deux. Tu sais, j'ai mis en grosses lettres au début, ainsi ça les intrigue. Pourquoi l'écrire en majuscule? Normalement, Chast, il peut le faire. Ben, j'ai Ulzirur qui le fait. Va te falloir de la peau. Là où j'ai bien fait d'aller chasser parce que de la peau, j'en ai 100. Ouais, mais je crois que c'est la trike, je crois que c'est une histoire de 360. 360 pots? Ouais. Attends, moi le Stago ça m'en a pris 210. Stago, c'est quel Stago? C'est le... Ah oui, le Stigou, là. Le Stigou. Je sais pas, on va voir. Par contre, de la fibreur, on en a un. Tu peux pas les stacker, tu peux les stacker, toi? Comment ça? Moi, tu vois, ils sont stackés. T'en as 178, 181, 197. Ah oui, tu les mets les uns sur les autres, mais faut les mettre dans ton inventaire pour faire ça. Ah, Tu d'accord. peux pas le faire hors inventaire, ils ont pas encore inventé le auto-tri, tu vois. Ouais. C'est un peu galère. Mais du coup, quand tu fais ça, tu peux gagner une place, tu vois. Là, il y a genre. Pareil pour le bois, tu vois, le bois, on se fait limite enculer. Voilà, un stack de 100, un stack de 12. Voilà. La Attends, quand là. kératine, ça pourra servir aussi. Ici, j'ai mis tout ce que j'avais. Ah, j'ai mis aussi tout ce que j'avais. Pierre. Spécimen implant, j'en ai 4, t'en veux Les un? quoi? Les spécimens implants. Ça sert à rien de les garder, ça. C'est limite, ça serait bien, tu sais, tu le récupères, ça récupère tout ton inventaire, quoi. Ouais. C'est Par le contre, truc. j'ai jeté de la flint. Et vu que je vois rien, je Elle est là. peux. Je l'ai. Ah, compte 500 de bois, ça nous va pour la selle? De quoi? 500 de bois qui propose. La selle compte 500 de bois. Oh. Pas faire ça contre juste les composants, lui. C'est un tricé quand même, hein. C'est pas un Carnot, hein. C'est un ouf. Je sais même pas comment ça s'écrit composant. Et contre les compos. C'est des ouf quand même. Eux, c'est vraiment des truands. Attends, du bois on en a 110 quoi. Attends. Le jeu c'est bizarre? Non, je pense pas que ça soit bizarre, c'est le temps de s'habituer.
Je sais pas écrire composition. C'est atroce. Pas comme ça. Je pense. Je sais qu'il y a un M après un avant un P, mais me demander d'écrire. En gratuit, mais c'est pas gratuit, c'est un échange. Sur l'autre serveur, c'est Ah non, comme ça. mais je lui expliquais que lui il a l'XP. Bah ça, je l'ai déjà. 250. Bah voilà. Là, tu peux dire oui pour 250 voix. Par contre, je redémarre le jeu parce que là, j'ai plus d'interface. Je peux rien faire. Je dis c'est possible, mais on ne sait pas se déplacer. Bah ouais, on est nouveau. On est nouveau. Voilà. On est nouveau joueur, on ne connaît pas la carte. Tiens, t'as des vides pour te reconnecter. Bon, bah, je m'amuse à couper du bois. Ah, ça charge encore, moi. T'inquiète pas, j'ai coupé du bois. En fait, je suis pressé d'avoir un carnot. Mes coordonnées, je vais te donner ça. Ah, du jeu. C'est sur l'île. C'est 74. Un peu, je vois plus tard, ce qui serait bien, c'est d'avoir deux mammouths et deux carnots. On serait trop posé. Deux mammouths et deux carnots. Ouais. Attends. Deux mammouths, deux carnots en 1 heure. Quasiment level max. Du coup, le mammouth narcoberry, le carnot, la viande pourrie. Les carnots de la viande pourrie. Ah bah oui. Bah oui, moi je la sépare la viande, ça fait de la viande pourrie. Et après, max, masse narcotique et narcotique après échange contre mammouth, 3000 narcotiques. À la vitesse où ça va les narcos. Il arrive. Moi je veux bien. Hop. Je me demande si je ferais pas un coffre à échange. Tu sais, tu tapes les ressources. Oh, t'inquiète, sans l'eau, tu les jettes par terre. Il arrive, lui, mais. Ah bah, j'ai plus de hache. Pas Je bien. crois que j'ai assez. J'ai regardé. Non, attends, je vais juste récupérer une flint, ça va aller. T'as assez là de bois? 100, 100. Non, il m'en manque 25. Il m'en manque 5. Ah non, je crois que j'ai mangé qu'à crash. Il t'en manque 10 en fait. Attends, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon jeu a crash, je crois. Ouais, je suis déconnecté. Non. T'es sur ton iPhone dans le bras. Ben, je n'ai plus le jeu. Mon jeu s'est fermé. Limite, prends le bois qui est sur moi. Je redémarre mon jeu. Désolé pour ceux qui sont sur le live. Problème, je me suis fait exclure du jeu. Le mal aimé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pour rien. Ça doit être mon petit chinois, il pédale pas assez vite. Non. Pas comment tu fais pour mettre tout le bois toi, parce que moi je peux pas hein.
Je ne peux pas, c'est pour ça que je disais qu'il fallait faire un coffre et échange. Bah, je vais attendre qu'il arrive et puis servira. Tu revois le chat? Quoi? Tu vois le chat? Ah ouais, il a dit ok, alors j'arrive. Et là, je suis dehors, j'attends, mais y a personne. Ouais, mais et s'il est à l'autre bout de la map? Ah ouais. Limite, le mec, il est à l'autre bout de la map, il te demande 250 de bois. Enfin, récolte ton bois tout seul avec un mammouth, c'est 1000 fois plus rapide. Mais je crois qu'à la base il en voulait 500. Ouais, 500. Bon, là, il est mignon, mais t'as vu comme quoi tu peux les négocier. Mais la plupart des mecs qui sont ici, en vrai, enfin, ils sont cheatés leur perso. Hein. Ouais. Ah ouais. Y a un mec qui me disait, il y a un pote, il a créé un serveur privé, ils ont monté leur perso niveau 100, bah, vu qu'ils ont admin, et derrière, ils ont juste transféré. En gros, pour 20 euros, ils peuvent se faire ça, quoi. Bon, t'as 10 000 à charger face à 10 000, ça a du mal à charger. Y a un mec qui demande si on veut quelqu'un de la pierre en trop. C'est un comique lui, non? Eh, t'as quoi comme on a quoi en pierre? Non mais personne n'a de pierre en trop. Mais non, ce qu'il veut qu'on lui donne en fait. Oh. Ouais, mais c'est beau de rêver. Avec la mer et l'eau et son gland tel un vague. Ici, je viens de m'acheter masse de trucs. Faut plus j'aille en France. Quand j'y vais, j'achète beaucoup de trop. Je suis parti avec 700 euros, je reviens avec zéro. PC portable, j'ai acheté une vingtaine d'accessoires GoPro. J'ai même acheté un accessoire GoPro pour adaptateur Sony. Donc je peux fixer ma caméra Sony sur tous les accessoires GoPro. Normal. 25 euros quand même. PC portable. J'ai acheté des billes en masse. J'arrive dans le magasin. Ah, on va fermer, tout est à 50%. Gling gling, gling gling, gling gling, 370 euros. Gling gling. Il y a un caillou qui m'intrigue là, un caillou rouge. Un caillou rouge. Ouais, rouge. C'est pas de la lave. Non, il est dans l'eau. Te fais pas tuer. On peut même pas le casser. Oh, c'est un bug. Bon, Caillou j'ai du mal à déco. me reconnecter. Hein. Moi, j'entraîne mon bonhomme à la nage. Pour les JO. Là. En plus, il va falloir booster l'oxygène hein, plus tard pour les perles, les l'huile. Ça va être chiant ça. Mais non, il y a l'appareil pour respirer sous l'eau. Ah bon? J'ai entendu sur l'autre serveur qui parlait qui savait me faire l'appareil pour respirer sous l'eau. Ah cool. Je crois que c'est un truc comme dans Spy, espion, enfin Spy Junior, là. C'est avec des espions, les enfants qui sont super espions. Ouais. Ils ont Oh, ça serait cool, un truc une comme espèce ça. de scaphandre. Ah, il y a une zone commerciale. Ouais. En plein milieu de la map. Là, ça pourrait être utile. On peut faire quoi là-bas? Bah. Une zone J'ai jamais commerciale. été.
Bon, je vais mettre des points en poids en fait. T'as pris tout le Perso, j'ai poids? boosté. Moi, j'ai boosté la fortitude. Et moi, j'ai mis de la vie en fait. T'as combien de bois? Zéro, j'ai tout mis dans le coffre. Je suis en train de retirer plein de petits bazars pour essayer de descendre en dessous du poids. Je ne peux pas. Je peux en prendre que 150. Il est perdu le Ulzizor là. Ulzor. Pourquoi? Question sur la carte, le je suis mis. Et où est le truc où je suis planté ou pas? Attends, je suis nouveau, je le sais, ça. Colarivra, comment est-ce que tu sais tout ça alors que t'es nouveau? Ben, je viens d'un autre serveur. Chucky. Un Dilo et Chucky. Tiens, on n'a pas mis de pin code sur nos coffres. C'est? J'en ai mis un. Ah, c'est. Limite, t'iras chercher les 100 autres. Parce que c'est 350. Non, c'est 250. Moi, j'en ai pris Ah oui. 150. Ah oui, pour lui jeter. Attends, je vais mettre l'œuf de dodo sur le feu, voir si ça brûle ou pas. Est-ce que C'est ça va peut-être une faire une omelette. omelette? Mais ça se trouve. Quoi, t'as déjà 100 de bois sur toi, toi? Ouais. Ben, le temps qu'il arrive, moi je vais. Je vais. Il y a On une peut pas le lampe. mettre dedans. Il y a une lampe qui est descendue. Je sais pas si je peux la prendre. Je vais aller voir. Si jamais j'ai mis les bois dans le Triceratops. Ok. Je vais lui mettre des points en stamina, je crois. En stamina ou en vie ou en force. Ouais, comme tu veux. Je vais peut-être lui mettre en force ou en. Non, plutôt en vitesse. Ça ira plus vite. Bon. Avec la mer du Nord. Son grand terrain vague. Il est sérieux, lui? Pourquoi il est perdu? Tu sais le guider en lui disant à quoi ressemble l'île? Tu sais lui dire que c'est la petite forme bizarre. Allô? Ouais, je suis en train de marquer là. Ah ben il est près de moi je crois. Salut. Il faut que tu continues jusqu'au bout en fait parce que c'est lui qui a tout le bois. Tu vas jusqu'au bout de l'île et tout le bois est là-bas. Oh, il va nous plumer la gueule. Merci hein. Pourquoi nous plumer? Oh Tu putain, continues gros tout troll de droit. merde. Y a pas de soucis, toujours tout droit.
Tu continues tout droit. Je vais le marquer dans le chat. C'est pas plus compliqué de comprendre, tu vas tout droit. Moi, je prends la langue. Un arc et des flèches. Oh, GG. Non, je Pas GG. déconne. Non, j'ai une lance, un... Comment on lance pierre? Une torche. Il arrive, hein. Je le suis de près, mais je suis à pied, lui en raptor. Attends, je comprends pas, il est en raptor, il est en full armure, quoi. Il avait pas un terra? Tu sais, pour aller plus vite. Tu vas tout droit par où? Bah, tout droit! Bah attends, il est que niveau 24, ça se trouve, il nous troll. Et il est pas en armure, il est juste peint. Ouais? Ouais. Il est près de toi? Merci. Ok. Il t'a donné la selle, tu as donné tout le bois? Oh, c'est bon. Bah saute un Vas-y, petit vas-y, peu. mets-toi AFK ici, c'est pas grave. On va Genre, juste t'es attirer plus. un... Attends, attire un T-Rex. Tout Tiens, on va le simplement. niquer. Quoi? Tiens, on le déplume. Il s'est FK de où? Juste à côté, viens, on le déplume. Les bâtards. J'ai faim, mais on n'avait pas de la bouffe. Et on est encore dans le coffre, je crois. C'est vrai que ça ferait un Ça va, le combat. tricé il avance bien quand même. Contrairement au stago, la vache. Voilà, j'ai remis ma faim. J'ai encore des fibres. Lance-pierre. J'ai une deuxième hache au cas où. Et la maison, du coup, on l'a fait en quoi? On l'a fait en bois ou en thatch entièrement? Franchement, j'ai pas réfléchi. Et du coup, Alors. en bois, c'est joli. En thatch, ça fait poulailler. Oui, ça c'est sûr. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a 1410 fibres. Bah putain. En FPS, je suis à 25, 30 FPS. Comme que tu Donc, te. je regarde ça sur mon logiciel parce qu'en fait, ici, si je regarde sur le serveur, donc ça s'en faisant échappe, donc on est à 72 de ping quoi. Donc, c'est assez lent. Sinon, ouais, non, c'est 25, 25-30 FPS. Et ici, serveur-ci, ça va, il tourne à 83 sur l'autre serveur, on est à combien? 200-300 ping. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye la touche pour trouver parce qu'en fait je peux directement afficher des FPS in-game. La config, je l'ai mis en medium. Donc, parce que en high, là, je tourne à du 10 FPS, quoi. Mais en bougeant, ici, ça va, c'est 30 FPS. Après, tout dépend aussi de la puissance du PC. Ça, tu feras pas tourner un jeu à 60 FPS sur un PC de merde, quoi. Ici, moi, je lag pas, donc ça va. Nombre d'FPS. Tiens, tu peux le taper si tu veux, Yuri. Taper qui? Tu fais tab. Tab. Ensuite, tu tapes stat. ST. AT. AT Espace FPS. FPS Et en haut à droite. T'as une lumière. Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Quand c'est jaune, c'est que c'est bof.
Ouais, bah, je sais pas, ici, moi, ça me dit que je tourne à, sur le côté à du 25, et là, ça me dit 17 sur le jeu. Parce que du coup, t'as comment? T'as les FPS et t'as le MS aussi. Je sais pas si t'as vu. Je sais pas, c'est différent que sur le logiciel, en fait, que je filme. Les FPS. Je sais pas, je comprends pas. Bon, je sais pas perso, moi ça reste dans les 30-40. Ouais. Ben, Scott, moi, mon PC, ben, c'est un PC gamer, donc c'est pas un petit PC quand même. C'est pas un toute nouveau génération, quoi. Il a quand même des. C'est à peu près la cinquième génération. Je crois qu'ils sont déjà à la neuvième génération, quoi. En PC gamer. Donc. Sinon, je l'ai essayé sur le PC portable ici que je viens de m'acheter. C'est même pas un PC gamer. Je le fais tourner, mais je le mets en load, quoi. Et ici, là, c'est pas la meilleure config, quoi. C'est un i3, la carte graphique, c'est une HD 4400, quoi. C'est pas la meilleure carte graphique qui existe. Donc, i3, ben, on est déjà à la. On va passer à la i10, là. Donc, il a déjà un petit peu d'âge. Sinon, mon PC, ben, c'est un Color Master Elite, quoi. Et il est pas doué, le gars. Ça va, tu ramasses énormément de touch avec ça? Bof, j'en ai 364 là. En touch? Ah, ça va, ça fait pas longtemps que tu es dessus. Bah ça ramasse aussi vite en fait qu'à la pioche. Sauf que tu ramasses des baies en même temps. De la wood, T'as du bois aussi? ouais, j'en ai 100, c'est tout. Bon, enfin tu Ça ramasses fait un peu de attends tout quoi. 532 touch là pour 100 de bois. C'est comme la pioche, pioche ce truc. Et en baie, j'en ai pas mal. C'est 100, 129 narco et j'ai plein d'autres petites baies. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait l'autre, mais il m'inspire pas confiance. Bon, mais si on voit quelqu'un qui cherche des fibres en échange d'Adino. Je pense qu'on a de quoi. C'est chiant que des fibres, t'es obligé de les ramasser à la main. Grave. Pas le bronchioseur, il en ramasse, mais juste un peu. Hein. Il en ramasse? On m'a dit qu'il en ramassait pas. Moi j'ai testé en avec le cheat Force Stam, mais je crois qu'il en ramassait, tu vois, genre 2-3, pas plus. Hein. Ouais, mais même c'est un bronchiosaure quoi, tu rases une forêt entière. T'es 2-3, ça t'en fait 2-300. C'est vrai que si tu le ramasses à la main, ça prend plus de temps. T'en ramasses plus. Après le bronchio, enfin voilà la place qu'il a. Hein. Voilà. Tac tac, je vais regarder. Tu essaies de voir avec quelqu'un là pour Pourquoi? comment? Pour un dino? Ah non, j'ai pas regardé. Demandez qui a un dino avant. C'est celui qui veut vraiment acheter un dino. Moi j'ai un Spinosaur contre 1300 fibres. Achetez. Il y a un mammouth contre 20 fibres. Ok, pas de pression. Non, la dernière fois, il y avait un mec qui vendait je sais plus quoi. Je crois qu'il vendait une selle de mammouth ou de spino. Le mec, il en a acheté deux à 5000 fibres. Unité, hein. En gros, il a donné 10 000 fibres. Après, voilà la selle de Spino, ce qu'il faut pour la faire. Hein.
Et franchement, dès que j'aurai un. Comment? Un terrain, je vais aller voir cette zone de commerce, elle m'attire. Elle m'intrigue. C'est limite ici, t'as les dinosaures qui sont posés avec marqué leur prix. Pas Mettez trop dans beau. le coffre. Garde les méjoberries, les narcos, le bois. Tout le reste, je jette. Mais l'autre là qui troque, comment il s'appelle? Qui? Estes là. Oui. Je suis sûr, j'ai moyen de lui faire me donner un mammouth. Donner, non, acheter, oui, mais contre combien? Ah non, mais lui, il l'a gratuit. Tu peux aussi te prendre un ban. Ouais, qui serait que le mec qui ramène ça, quoi? L'autre il a FK, mais il bouge nain. Fait. Bah, s'il faut, tu t'en laisses 100 et tu vas les rechercher après. Il s'est pas avancé. Lui jeter son armure. Les 50, il les ramasse à la main. Bah, tu viens les chercher après, je te les mets sur le côté. Il m'a donné 50. Il a acheté tous des trucs par terre, je vais tout ramasser. Du steak périmé. Acheté de la viande pourrie. Il est con, il a acheté du bois. Il a acheté un peu de viande périmée, des trucs qui servent à rien comme des graines, qu'on a pas ça pour le moment. Il a acheté des baies, je vais les mettre dans le triceratops, ça, je m'en fous. Moi. Oh, t'as qu'à le tricer, il est déjà blindé de B. Hein. Ouais. Ah, il en ramasse. Ah bah oui, c'est vrai. Oula, je récupère de la narco pour nous faire des narcotiques. Putain, il est con, il connaît même pas les coordonnées de sa maison, quoi. C'est atroce. Oh, bah elle est vraiment pas loin. On est en 74 et eux ils sont en 85-20 quoi. À côté et pourtant il a mis 40 minutes à venir. Il y en a qui sont pas doués. Sinon on peut échanger une bestiole contre de la tatch, hein. Parce que là je crois qu'on va en avoir trop de tatch. Et de calmer un peu mais bon. Avec le... Bah t'as vu, il n'y a plus de forêt autour de nous. Elle rit pas assez vite. Ça, j'aime bien cette animation quand tu cours sur le côté et que t'es secoué. Oh, là la tatch, t'inquiète pas que... On a la blinde, mais pour la vie. Oh, bah, la dernière fois qu'on a dit qu'on en avait plein pour la vie, 30 secondes après, il n'y en avait plus. Je sais pas, je crois que j'ai ramassé un peu de pierre. C'est jamais. L'autre, il a échangé un. Je sais même pas, je crois que c'est un raptor contre de la pierre. Oh là là, pas la pierre, s'il te plaît. Raptor! Merde. La pierre, quand même. Je vais pas échanger un raptor, ça t'inquiète pas. Il me faut un dino. T'es en train de ramasser des choses aussi, genre ça de l'XP. Non, j'ai juste crafté un mortar et pistou. Ah oui, bah j'ai reçu l'XP. Là, j'ai juste crafté un
Wood. C'est pour te faire voir qu'il faut écrire en gros bonjour. T'as vu, moi ça fonctionnait. Y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que j'ai bas de mon record d'audience. C'est parce que c'était peut-être parce qu'on est en vacances. Ouais, peut-être. Et là, on va te répondre. C'est moi que je mettrai un message ici. Je mettrai un message encore sur le côté avec marqué Ah, on voit mes messages quand je te pose une question de bonjour si ça va bien. Ouais. Tu vois? Mon avis, il y en a pas beaucoup de personnes là sur le serveur. Tout à l'heure, quand je me suis connecté, je crois qu'il était 57. Ouais, mais contrairement à l'autre où on était 70-100. Ah, t'es 70 le max, il n'y avait personne. Hein. 70? Ah, il l'avait monté à 100 à un moment, mais ça laguait trop. Ouais, mais là, le serveur il s'est vidé, il n'y a plus de personne dessus. Maximum, tu trouveras 40. Hein. Ah, ils ont changé. Ouais. Et t'as moi qui suis en train de ramasser la masse de pierre qui commence à être surchargée. Coucou. Allez. Allez. J'ai 109 pierres. Matrix quoi. Ben là, j'ai reçu de l'XP quand t'as ramassé ta lance. Non, c'est parce que j'ai en train de crafter des comment des trucs là. Des narcos. En fait, j'ai une idée de base un peu plus révolutionnaire que ce qu'on avait fait. Quoi en fait faire une la maison, tu vois, qu'on avait fait de guilde là, de craft. On va l'appeler la Ouais. maison de craft. La faire au milieu et en fait faire un système de. Enfin faire toutes nos maisons autour et faire un système de pont en fait pour relier nos maisons à la maison de craft. Une espèce de tortue. Et là je suis en train de jouer au maître javelotiste. J'attends ma cible. Ma cible sort. Allez. Oh Mifra, t'aurais pas bougé, t'aurais touché. Oh, regarde. Elle était clairement bien plantée. Non, mon dilo, il va me servir de cible. Il reste encore des crafts, stop-les et lance-les pour toi. Oh, il en reste 7. Ouais, vas-y, ça fait toujours de l'XP en plus. Oula, mon dilo, il a eu de la chance. Hop. Bah, du coup, ma lance, c'est. Ah non, ma lance, c'est pas. Oui, c'était barré. Je suis en train de booster la stagmina parce que laisse tomber, j'en ai plus. Bon. On peut faire du cementing past. Cementing page, je sais pas si c'est utile. Moi, je ramasse des cailloux en fait. Ah si, le cementing past, t'en as trop besoin. À la fin, À la t'as fin. besoin que de ça. Hein. Ouais, c'est à la fin, t'en as besoin. Mais au début. Bah là, je suis en train d'apprendre des trucs de bois en fait. Là, du coup, j'ai la fondation, le mur, le toit et la porte. Je trouve qu'il serait bien à faire, c'est un petit enclos quand même pour les dinos, si on a comme la dernière fois un T-Rex qui va nous faire chier. On n'a pas les fondations. Allez, la nuit elle tombe comme ça. Whack! Parce que la wooden fondation là, elle est au niveau 15. Encore trop loin. Je sais pas si t'as vu tout ce qu'il a sur lui là, le trissé au niveau de la tatch, hein, il en a trop. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Tu mets une proposition d'échange, là j'ai de la tâche, qu'est-ce qu'il nous faut? On en a 1000. Allez, what else? Ou alors on la garde et pour faire les fondations plus tard. Bah la tâche, on n'a pas forcément beaucoup de bois en fait. Pour les trucs, pour les fondations, c'est surtout 80 de bois. Après, c'est que 20 thatch et 15 fibres.
Après, c'est clair que y a moyen de la troquer, quoi. Ouais, bah des filles, t'as vu ce qu'on en a. Ouais. Ici, moi, je ramasse de la pierre, ainsi. Ça fait chier, j'aurais bien aimé trouver un scorpion là. Pour avoir l'arc et tout sur lui, laisse tomber. Ouais, là, c'est pas dans les faisceaux bleus qu'on les trouve. Ou Ah mais les... t'en as plein Avec. sur les bestioles. Hein. Ouais, mais il faut que quelqu'un soit fait tuer par la bestiole avant. Oh mais t'en as tellement pour moi. Oui. Tout ce que je sais, c'est que la maison, en fait, de cette taille-là, est largement suffisante. Hein. Ouais, pour le moment, pour nous deux, oui. En fait, tu vois, enfin, moi, j'ai toujours fait des grandes maisons, mais je vois pas trop l'intérêt. Genre, tu vois, enfin, une petite maison comme ça, c'est trop suffisant. Pas pour le Oh, début, au quoi. début, oui, tu vois, mais après, quand tu commences à bien développer, c'est bien de faire une plus grosse. Pour s'amuser, quoi. Pas rester toujours. Faire une hauteur de plus en fait pour mettre Mais en fait, c'est un truc que j'aime pas trop dans ces maisons-là. C'est. Tu sais, quand elle n'a qu'un étage, tu vois, t'as l'impression d'avoir le plafond dans les yeux. Enfin, ici, c'est rien. Je t'ai refait un toit? ouais c'est pour comment si on veut mettre des armoires. Autant, tu vois, ici, c'est là où tu as de déco, donc OSEF. Ouais, Genre faut. ici, pour... Ce qu'il faudra pas oublier, c'est comment? Oh punaise. Se vider l'inventaire avant de partir, hein, pour pas avoir le problème de Avec ce temps. qu'on a sur nous, je pense pas que... Ici, pour le moment, non, mais quand on aura une armure ou quoi. Tu sais, comme la dernière fois, passer à travers le sol et mourir. De toute façon, il n'y a que ça. Merci, je revais pour poser mes cailloux et je repars avec mes cailloux en poche. Puis les déposer. Poche de cailloux, on en a 316. Ça va vite. Wow. Et tu vas. Comment? Tu fais pas des tâches supplémentaires? Je vais faire un étage. Non. Pas forcément. Voilà, c'est la première maison, tu vois, donc un peu du. Aux effitudes, hein. Wow. J'ai envie de dresser un dino. Il y a une lampe blanche pas loin de nous où je vais aller. Le seul truc, enfin, je trouve qu'on a vraiment, enfin, il faudra vraiment faire quelque chose de beau, tu vois, le touch, ça se récupère facile. Ça sera plus pour le bois. Ouais, le bois ça va être compliqué. Ouais, c'est pour ça, tu vois, la première maison là, c'est vraiment la maison pourrie en attendant d'avoir, enfin, déjà les fondations. Parce que je pense pas qu'on va commencer par la maison en bois. Hein. On va plutôt commencer par faire déjà le tour, la muraille. Se faire une petite muraille de protection, oui, de toute façon, vu qu'on n'a pas encore de gros dinos. Oh, il y a un raptor qui est en train de se battre. L'autre, il revient chercher ou pas son bois là? J'en sais rien, mais.
Celui qu'il faudra demander. Au pire, aux F, hein. Lol, je me suis fait attaquer par, on va dire des guêpes, hein, d'accord? Des trucs volants. Bon, et des araignées. Il y a un coffre entier de tâches, quoi. Bon, je reviens. Les araignées, tout ça, c'est facile à battre en fait. Bah oui. Tu prends une Avec torche enflammée. la lance en fer, tu mets un coup. Bah, la torche enflammée, j'ai l'impression que ça leur fait énormément de dégâts. Je leur ai mis deux ou trois coups. Oh, tu verras que c'est ma chitine. Dessus, il y a la masse de chitine. Bah le problème c'est que j'aurais bien voulu la récupérer. Mais j'ai pas pu. Bon, moi je mets mes items dans un coffre et puis je vais déco parce que demain je me lève. Hop, j'ai rajouté 3 coffres. Tu te décos? Ouais. Ouais, j'ai sûrement pas tardé non plus. T'as essayé de mettre ton œuf sur le feu? Non, ça veut pas, il rentre pas dedans. À mon avis, tu sais, faut le mettre dans le truc casserole là. Ça doit être avec des Ouais. préparations. Peut-être. Bon, bah je te laisse, je te dis peut-être à demain. Oui, sûrement demain. Bon, allez, bonne nuit, bon Bonne jeu. nuit. Ouais. User disconnected from your channel. Hop, bon, il a le narcotique, ça pourrait servir. Steak, elle périmera jusqu'à demain. J'ai pas encore le frigo, je crois. Ouais. Non. Bon. Je vais les garder, je vais me vider. Tac. La pioche, important, le restant, c'est pas trop important, c'est pas encore trop grave. Bon, ben, je vais me déconnecter aussi. Voilà. Est-ce que j'ai fermé la porte? Oui. Échappe et déconnexion.
Donc voilà, on recommencera le live demain, on va dire à peu près vers midi. Plus ou moins vers midi, ouais. Donc pour ceux que ça intéresse, ben ça sera midi. Salut à tous.